Bruno Leroux poussé vers la sortie, le ministre français de l'Intérieur a présenté sa démission ce mardi au lendemain de révélations sur l'emploi ponctuel de ses filles comme assistante parlementaire dès le lycée. Entre 2009 et 2016, les deux adolescentes auraient perçu au total environ 55 000 euros. Désormais visé par une enquête préliminaire du parquet national financier, Bruno Leroux se défend. Ces contrats ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Ces moments de travail en commun étaient importants pour moi comme ils étaient formateurs pour elles. Dans mes responsabilités, le temps pour être ensemble n'est pas si fréquent. Mathias Fekel a été nommé pour le remplacer Place Beauvau. Jusqu'ici secrétaire d'État au commerce extérieur, cet énarque de 39 ans quitte l'équipe de campagne de Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle, dont il était l'un des rares soutiens au sein du gouvernement.